Fredo, viens, va lui faire un petit interview. Fredo, viens avec moi, vas-y. Voilà, Sophie Tissier, elle est là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Donc, nous... Voilà, là, mais ils font rien. Que j'ai pas trop de temps, mais j'ai pas envie d'être à côté de... Voilà, alors... Non, mais là, tu vas te casser la tête, on va pas tomber, sinon ça va être la merde. Arrête-toi, c'est bon, ça bouge pas. Arrête-toi, ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait pas mal de temps qu'on t'a pas vu. T'as toujours le cœur jaune, alors. On m'a pas vu, mais je suis toujours gilet jaune. Et puis, j'ai pas rien fait. En juillet, j'ai attaqué l'élection de Gabriel Attal au Conseil constitutionnel, quand même. Ah ouais, c'est ça. Tu fais des trucs d'autres luttes, voilà. Moi, j'ai fait des trucs... voilà, j'étais la seule à le faire, à dénoncer que un ministre et tous les autres ministres, d'ailleurs, du gouvernement, n'avaient pas le droit de se présenter aux élections législatives. C'est anticonstitutionnel. Ça bafoue l'article 23 de la Constitution. Et en fait, j'ai attaqué l'élection de Gabriel Attal à ce conseil. Et malheureusement, à un jour près, parce que c'est un recours qu'on a le droit de faire dans cette République, seulement 10 jours après l'élection, après la proclamation des résultats. Et malheureusement, le temps que l'idée me vienne, que je le prépare, etc., je l'ai faite un jour trop tard. Et dans ma grande naïveté, je me suis dit « Non, mais un jour près, ils vont quand même pas pinailler. » Et ben si. Et donc, dans la décision, c'est un rejet uniquement sur le fondement d'un jour de dépassement. Voilà où on en est aujourd'hui dans cette République où on a quand même des ministres qui se font élire illégalement, en fait. C'est ça. Attal et ses 16 autres copains ministres sont des députés illégaux, illégitimes. Ça, ce serait bien que tout le monde le sache et que tous les gilets jaunes... voilà. Donc, j'ai fait ça en juillet. Et puis sinon, bah, je vous cache pas que j'ai eu un gros passage à vide, dépressif, après 2022, après la défaite qu'on a eue avec la réélection de Macron. Et puis aussi quand j'ai porté plainte contre Éric Coquerel. Il y avait ce truc-là aussi. 8 ans après, parce que j'ai dénoncé une agression. Voilà, il m'a agressé sexuellement, il a cherché à exercer un droit de cuissage. Attention, n'en dis pas trop, sinon là, ta vidéo elle fera pas de vue. Ah bon, elle fera pas de vue. Bah écoute, Coquerel et la Mélenchonie, c'est des salopards. Eh ouais, mais là. Ah bah tout le monde. Moi je te souhaite d'avoir dans ma chaîne une bonne vue, c'est 500. Mais là, si ils vont te faire 100 vues ou 200 vues. BFM, ils m'ont invité pour parler de la plainte. J'ai fait une interview sur BFM. Ah bon, déjà, t'es passé, c'est sourcé alors, c'est bien, t'as dit. Oui. Bien sûr, c'est sourcé, il y a un procès, enfin, j'ai fait une plainte. Ouais, mais bon, moi je te sens quand même plus calme et posé, plus. T'as mûri. Ça t'a fait mûrir tout ça, toutes ces luttes. Pourquoi ça m'a fait mûrir? Ben, je trouve que t'es plus. Ah bon? J'étais déjà mûr, mais je suis juste un peu reposé parce que depuis 2 ans, je me repose. C'est de l'énergie, ça fatigue l'énergie. J'ai des problèmes perso aussi. Moi, je suis en surendettement de 140 000 euros. Ah oui, il y a ça aussi, la télé. Mon dossier Canal Plus Bolloré. Oh là là. Puis t'as des enfants en plus. Parce que j'étais la. T'en as deux des enfants, toi, t'as combien? J'ai été la première à dénoncer Bolloré en 2013. Et je me suis fait lâcher par la gauche. Toute la gauche m'a lâché. Alors ils sont tous là à pleurer. Salut Myriam, ils sont tous là à pleurer que Bolloré, avec ses news, a fait monter l'extrême droite. Bah oui, les cocos, mais je vous ai prévenu, hein. Et par contre, ils m'ont tous lâché quand je me suis fait attaquer par C8. Ils m'ont traîné en justice pendant 3 ans au tribunal en m'accusant d'escroquerie au jugement. Moi, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse en 2019, janvier 2019. La plainte n'est toujours pas instruite. La plainte est toujours au tribunal de Paris et la justice ne m'est pas rendue. Voilà où j'en suis. Ah bah, tout est ripou, tout est république, la république. Bon, eh ben, merci. J'ai plein de choses à dire, mais avant tout... Moi, ça va, j'ai pas de chat, donc, parce que si tu mets un chat avec elle, les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bah quoi, qu'est-ce que je fais là, j'ai le droit d'être là. T'arrêtes là, bien sûr, t'as le droit d'être là. Je te filme. Non, mais les gens, tu sais, sont tellement vénères. On se met des... On doit être tous ensemble, c'est tout. Si la gauche m'avait soutenu, si on avait été ensemble pour lancer Nuit Debout, maintenir Nuit Debout... Et si l'extrême gauche n'avait pas Ruffin et compagnie cassé le mouvement Nuit Debout en envoyant les Antifa Black Bloc pour provoquer les flics tous les soirs, le mouvement aurait peut-être pu perdurer, s'organiser. Les gilets jaunes ont été cassés, pareil, par les petits groupuscules d'excités qui sont venus pour foutre la merde et diviser. Et me casser du sucre sur le dos parce que j'ai osé être pacifiste. Ah, par contre, à la gauche, c'est passé qu'elle a laissé passer Darmanin et Isabelle Borne aussi. Mais si, mais ils ont pactisé la gauche, ils se sont désistés. Ouais, bah, c'est ça, ouais, mais. Darmanin, donc on voit bien où sont les traits. Eh ben, on le sait. Ce système-là est pourri. L'infiltration, voilà. Jusqu'à
jusqu'à l'os, donc il faut le changer. Le titre, on va l'appeler jusqu'à l'os. Juste. Bon, ben merci. Allez, salut. Ouais, ben, alors on va les rattraper. Merci. Merci, c'était Sophie Tissier. Voilà. Eh ben, c'est pas facile tout ça. Hein? Nous, on le sait tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, je sais pas. Hein. On est comme des idiots. Ah ouais, mais... Mais par contre, on n'a pas le choix, c'est bête. Voilà, c'était Fredo, il est là, ouais, Fredo Xoderf. Ouais. Bon, eh ben, moi, je vais rattraper vite avec ma trottinette. On est rue du Faubourg Montmartre. Eh, dis-leur qu'ils vont Place Blanche. Eh, on monte aux Place Blanche. Place Blanche, métro Place Blanche, ils vont nous voir. Voilà, merci. Voilà, ben, allez, salut, hein. Bon week-end. Voilà, c'est les trucs de fête. Bientôt, c'est Noël, voilà. Eh ben, on va rattraper la manif. Voilà, moi je donne la parole à tout le monde. Parce que sinon, ça met de l'aigreur à l'estomac. Et l'aigreur à l'estomac, il faut de l'Alka-Seltzer. Voilà, allez. Merci à tous.